Alors, je sais pas si on me voit, si on m'entend. On va bien voir, c'est un peu à l'arrache. Alors, je vais attendre de voir si ça se lance sur le chat déjà. Donc, ça va être tout moche parce qu'on va voir l'image en bas. Ouais. Hop là, moi aussi, on voit. C'est tic. Ouais, par contre, je suis dans le rouge. J'aurais peut-être dû mettre un buffer un petit peu plus grand. Alors hop, je vais augmenter mon buffer. C'est pas trop grand, on verra bien. Toc. Bon, bref. Ah, bon, ça va? Ouais, un live, ouais. Un live un petit peu à l'arrache, un petit peu surprise. D'ailleurs, il faudrait que je coupe le son de l'autre côté. J'en ai pas, c'est bon. Ouais, en fait, je me fais chier. Je me fais graffier. C'est samedi. Pauline, elle est partie. Elle est partie faire un truc. C'est un truc caritatif. Alors, ça doit exister par chez vous. C'est contre le cancer du sein. À Caen, là, aujourd'hui, il faisait une grande marche, là, donc toutes les gonzesses qui voulaient participer pouvaient y aller, avec un t-shirt rose, alors je sais plus comment que ça s'appelle, mais bref, donc Pauline est partie faire ce truc, donc je suis tout seul, et j'avais pas envie de coder, j'avais envie de rien foutre, je me fais chier depuis le début de la soirée, parce qu'il n'y a rien à la télé, comme d'habitude, enfin bref, donc voilà, donc je me suis dit, tiens, un petit stream à l'arrache, ça va m'occuper. Voilà. Donc, bah en gros, je vais, comme on peut le voir avec la petite pochette que, tiens, j'aurais pu agrandir d'ailleurs. Un peu petite ma pochette là. Merde, qu'est-ce que je fais? Hop, en le mettant un petit peu plus grand. Voilà, c'est bon. Ouais, du coup, je me vais faire un petit Bumpy's Arcade Fantasy. Jeu que Inak avait montré vite fait, il me semble. Oui, c'était Inak qui l'avait montré dans un de ses streams. Du coup, j'ai bien envie de me le faire. Et puis, j'ai envie de me le faire un peu à la Paco, comme il a fait pour, comment s'appelle, pour Nebulus. C'est-à-dire de me le faire petit à petit, comme ça, faire des streams à l'arrache de temps en temps, et éventuellement de finir le jeu si j'y arrive, parce que c'est loin d'être un jeu facile. Bref. Donc, bah voilà. On va essayer ça. Je crois que le jeu, il n'y a pas de full screen. Ah, Inak, tu voulais faire. Hein. Un lecteur de disquettes musicales. Ah! Quelle drôle d'idée. D'ailleurs, ce serait un truc rigolo à coder sur ces PC. Ça pourrait être marrant. Personne ne l'a jamais fait, mais ça pourrait être un truc marrant. Bon, bref. Bon, bah, y a pas plus de monde que d'habitude. Alors, bon, il y a Paco, Inak, Moonbeam, DLFR, putain, quel pseudo à la con, Silver hein, qui est là aussi, s'il s'est rendu compte qu'il y a de la vidéo en bas, et puis un anonyme comme d'habitude, qui se trimballe, hop, je mets mon truc là, voilà, bon, bah écoute, enfin écoutez, bah salut à tous, hein. J'ai oublié de le dire, mais. Alors, ouais, je vais aller mettre le jeu, je l'ai téléchargé vite fait. J'y ai pas joué depuis longtemps. Donc on verra ce que ça donne. Ça devrait aller pour les premiers niveaux. De toute façon, je pense que je ferai le premier monde et puis ce sera peut-être bien pour ce soir. Et éventuellement, si ça ne me prend pas trop de temps de faire le premier monde, je montrerai vite fait un jeu que j'aime beaucoup. Qui a jamais été montré en stream et qui s'appelle Les Mondes Parallèles, qui est un jeu d'aventure. Alors, le but ce sera pas de le finir parce que il y a déjà une solution. C'est un jeu qui a jamais été terminé,
Donc voilà. Voilà. Ah, tiens, par contre, du coup, on voit plus le chat. Parce que je l'ai mis par-dessus. Oh putain, par-dessus Minep, qu'est-ce que c'est chiant ça. C'est un peu chiant les streams parce que, eh ben c'est pas grave, je vais le déplacer là. Je m'en fous de voir ma gueule en fait. Voilà. Comme ça, on verra le chat. Ah, genre Paco, ouais, t'as vu de la lumière, t'es rentré. Ouais. Donc écran moche, donc là j'y joue en mode CPC+, hein. Donc on a une palette CPC+ quand même, c'est minimum. Écran moche, hein, ça sent le transfert brut, pas retouché, c'est pas beau, ça mériterait d'être amélioré. Alors ce que je comprends pas c'est que sur l'Aigle d'Or 2, qui date de la même époque, ils nous ont fait une page de connotation en full screen et là bah non, sur Bumpy, que dalle, donc je sais pas pourquoi. Si je prenais ma manette, ce serait vachement mieux pour jouer. Hop. Donc allez savoir. Bref, mon petite musique rigolote, mais pas extraordinaire. Alors, ça doit être encore du Finogradov, sans doute. T'as pété un carreau et t'as incrusté tes négos. D'accord. Tiens, bah d'ailleurs, la petite disquette face B, c'est la même que dans l'Aigle d'Or, d'ailleurs. Ils l'ont réutilisé. Plutôt rigolo. Et du recyclage. Hop. Hop, le son Windows. Voilà, on y va. Bon, je le laisse en easy, hein, parce que sinon, ça va être un massacre. Bonsoir l'anonyme qui va nous dire son nom dans 2 secondes. Vous m'entendez bien en fait? Parce que moi, j'ai pas de retour. Je ne m'entends pas. Parce que sinon vous allez m'entendre en double, parce que si je branche un casque, et ben ça coupe le son de la cam, c'est génial, j'adore. Génial. Donc voilà. Oui, salut Ben, je sais plus si je te dis salut, mais bon, on a déjà discuté aujourd'hui, donc c'est pas trop grave. Donc voilà, hop, c'est parti. Alors oui, il y a ce système de code. Donc là, il me montre une plateforme. Il me demande le numéro de la plateforme, et le numéro de la plateforme, et ben il faut aller dans la notice pour le voir. Et c'est le numéro 6. Hop, encore le numéro 6, je sais pas comment ça marche, pas comme ça. Voilà, numéro 6. Si je me suis pas trompé, voilà. Bon bah c'est bien. Ok, donc c'est parti. Alors là, en fait, donc pour expliquer grosso modo, on a plusieurs mondes. Ça, c'est le premier monde où on peut choisir le level dans lequel on va. Et si je ne me trompe pas, il faut tous les finir pour voir le monde suivant. Donc le but du jeu ce soir, ça va être d'essayer de finir tous ces mondes-là, enfin tous ces levels-là. Il y en a quelques-uns quand même, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 niveaux, donc ça devrait nous occuper un petit moment. Hop! On a un stream surprise. Donc voilà, on est la petite bouboule qui saute tranquillement. Donc là, on peut sauter avec le bouton Fire, ce qui change un peu, il me semble que sur la première version de Bumpy. Faut appuyer en haut, donc comme ça on peut appuyer en haut aussi d'ailleurs. Enfin bref, donc voilà, on a une palette CPC+, c'est plutôt joli, c'est plutôt pas mal. Et le but c'est d'essayer de ramasser tous les objets pour ouvrir la porte de fin de niveau. Hop. Donc là ouais, j'ai augmenté un petit peu la qualité du stream. C'est un peu limite chez moi, je suis dans le rouge. Donc j'espère que ça va pas couper, putain, je regardais ailleurs. Ça commence bien. Ah, mon Dieu, bordel de Dieu. Oui, je vais encore. Vous allez encore avoir le droit à mon super vocabulaire hyper développé. Bon, bref, hop, voilà, c'est bon. Hop, suivant. Donc les premiers niveaux, ça nous montre juste les différentes options, les différents trucs, hein. Il n'y a rien de bien compliqué. Hop, voilà, ça nous montre qu'il y a les trucs sur les côtés qui nous font rebondir. Ouais, génial. On a des pics en haut à droite là qui nous tuent, on va pas les regarder, hein. On y va. Hop. Ouais, je regarde ailleurs, j'étais en train de regarder ce qui se racontait sur le chat. Ça, c'est vraiment le truc.
C'est ça qui est un peu qui est particulier justement sur les streams, c'est que comme je disais l'autre fois, l'Aigle d'Or, quand j'y joue, bah voilà, je l'avais fini là deux fois de suite sans perdre. Le problème c'est que quand on stream, enfin je sais pas si c'est pour vous, ceux qui stream aussi, Nak, Paco, on a tendance à vouloir regarder ce qui se dit sur le chat, et puis bah, on est vachement moins concentré quand même. Et du coup on se gouffre comme des grosses merdes parfois sur des trucs tout cons. Donc hop, on y va. Alors, donc là ça va pas devenir compliqué, on va éviter les pics. En bas on a des trucs bleus qui vont nous faire glisser puisque c'est de l'eau, il y a une petite animation sympa, donc on va se retrouver tout à droite. Hop, j'appuie à droite et ça glisse tout seul. Hop. Donc là encore, un peu de difficulté, hein. Il suffit de. C'est juste histoire de nous présenter les différents trucs qui peuvent nous buter assez facilement d'ailleurs. Là, on a des pics. Hop. Hop là. Donc là, je lâche pas le bouton de feu, comme ça je rebondis tout le temps. Et là, on va rebondir hop sur le côté de l'écran parce que sinon, eh, on sautait dans le pic idiot. Hop, on y va. Donc voilà, là encore, aucune difficulté. Ça passe tout seul. Inak. Mauvais skill à cause du chat. Ouais, bah ouais, je me doute. Ouais, il y a un sacré décalage, hein, normalement, entre vous et moi, du coup, d'après ce que je vois. J'espère que ça rame pas trop pour vous, la vidéo. Parce que moi, ce que je regarde à côté, j'ai le deuxième PC qui est à côté, et quand je vois la vidéo dessus, comment ça rame, ça me fout un peu les boules. Donc j'espère que ça rame pas trop, que ça c'est fluide, et que vous n'avez pas un framerate tout pourri, avec une image toutes les secondes, parce que là, moi, à côté, c'est ce que je vois. Donc bon, après, c'est un vieux PC qui est pas forcément super rapide. Je suppose que la connexion n'est pas terrible. Ouais, ça ramouille un peu, ouais, ça m'étonne pas. Donc il faudra peut-être que je baisse un peu la qualité du coup. Parce que du coup j'ai augmenté, limite je vais baisser un tout petit peu. Si ça merde pas, j'espère que ça coupera pas pendant que je le fais. Merde, c'est pour ça que je voulais faire, c'était sous OBS, je suis en train de faire des trucs sous Vimeo. Ça lag pas trop, ouais, mais ça lag un peu, donc ça me gêne un peu. Je vais retourner là-dedans et je vais baisser un tout petit peu pour voir. En même temps, ça me servira de test. Parce que c'est vrai que les réglages, pour l'instant, je ne me suis pas trop fait chier dessus. Mais alors, quand je regarde la qualité des replays, ouais, c'est pas top, quoi. Donc là, j'ai baissé un tout petit peu. On verra ce que ça donne. Ouais, là, j'ai changé. En fait, je suis allé dans paramètres, donc sous OBS, et je suis allé dans encodage. Et j'ai mis là le bitrate, je l'ai mis à 750 avec un buffer de 1500. Donc voilà. Pour l'instant, je mets ça. On verra bien ce que ça donne. Puis si c'est moche, et ben le prochain coup, je baisserai encore un peu. De toute façon, vous me dites si c'est vraiment trop. Si ça coupe vraiment trop, bah je vais le rebaisser. Et puis on va retrouver une qualité pourrie. Et puis tant pis, quoi. Donc voilà. Bon, hop, on continue. Parce que sinon. Voilà pour un bail. Alors là, on a des trucs qui vont glisser, donc il va falloir que je fasse gaffe. Donc là, j'appuie à droite, hop, ça va à droite. Là, j'appuie à gauche, hop, à droite. Non, oh putain, après je faisais une grosse connerie. Et voilà, une connerie. Je m'en doutais que j'allais faire une connerie. T'as 550 au 2. Ouais, mais d'habitude, j'avais mis à 500. Et 500, la qualité, elle est pourrie, mais un truc de malade, quoi. Il me reste plus que 3 vies, du coup. Alors, je sais pas s'il y a d'autres. Merde. Je sais pas s'il y a d'autres réglages pour améliorer la qualité. Parce que là, honnêtement. Ta gueule, toi. Voilà. Parce que, ouais, je
trouvais vraiment la qualité pourrie. Alors, je sais pas ce que vous réglez pour avoir une meilleure qualité, parce que personnellement, ça me dérange un petit peu d'avoir une qualité de merde où on n'arrive même pas à lire ce qui se dit sur le chat. Je trouve ça un peu dommage. Bon, bref. Alors, des plateformes qui vont se casser quand je vais marcher dessus. Donc je vais faire pareil, droite, gauche, et puis on verra bien ce que ça donne. Je me rappelle plus des niveaux. Alors c'est un jeu que j'avais pas mal joué quand même, mais du coup ça fait un bail. Donc ouais, il va me rester à mon avis juste ce qu'il faut en plateforme, ouais, un truc dans le genre. Voilà. Un peu stressant comme jeu. On continue. Alors. Ok, alors là, il y a des vies, hein, les espèces de têtes bleues, là. Ce sont des vies, mais je vais pas pouvoir les prendre parce que du coup, sinon, je tombe dans le vide. Je suis pas en 620 par 378 à mon avis. Je dois être assez énorme. Alors je sais pas c'est quoi. Ouais, bah la résolution à mon avis elle doit être marquée énorme parce que j'ai pas dû la changer. Donc ça doit être un truc de bourrin. Faudra peut-être que je baisse. Je sais pas combien vous mettez vous en résolution du coup. Si vous pouviez me dire, je vais faire ce niveau-là et puis dites-moi ce que vous mettez en résolution. Là, je suis sur un PC portable avec un écran 16:9 en gros. Voilà, hop. Tac, il faut pas que j'aille à droite. Ok, là je me laisse tomber. Gauche. Ah, bah voilà, bah hop. Ah, donc tu mets du combien? 620 par 378. Alors, est-ce que si je change ça maintenant, ça va me couper le stream? Parce que sinon, je le change maintenant pour tester, et dans ce cas-là, je vais baisser le bitrate. Ah ouais, 1280 par 720, t'es Paco. Et moi, je dois être même carrément plus que ça. Attendez, je vais regarder. Mon avis, il est carrément plus que ça. Mais du coup, ah ouais, ouais, bah ouais, un truc de malade. Je suis en 1366 par 768. Ouais, bah tu dis ça change le stream, mais est-ce que ça va me le couper le stream? Est-ce que je peux faire le changement maintenant? Ou pas? Sinon, je peux faire comme dit Ben, hein, de faire du 620 par 378. Parce que là, ouais, effectivement, c'est énorme là ce que j'ai mis. Hein. Je sais pas pourquoi j'ai ça. À mon avis, c'est réglé de base par la résolution de l'écran de Pauline. Alors, est-ce qu'il faut avoir la même résolution que l'écran sur lequel on stream? Ou est-ce qu'on peut baisser sans que ça bousille tout, quoi? Parce que du coup, si je baisse la résolution, en théorie, on devrait mal lire les trucs aussi, puisque il va me prendre un pixel sur je sais pas combien. Oui, ça coupe, donc bah, je vais pas baisser ce coup-ci, alors. Je vais pas baisser ce coup-ci, je vais continuer comme ça, tant pis. Et par contre, le prochain coup, bah, je changerai mes réglages. Limite, je ferai un truc vite fait. Ouais, bon, de toute façon, l'audio, je m'en fous. A priori, ça va. Je suis en 620 par 378, mais tu vois ça où? Parce que moi, si je vais dans OBS... du coup, c'est super intéressant mon stream, on parle plus d'OBS qu'autre chose. Si je vais dans OBS, dans vidéo,
Résolution de base personnalisée, j'ai 1366 par 768. Alors, où est-ce que tu vois le truc de réglage? En dehors de ça, parce que moi, c'est le seul endroit. Si je vais dans encodage, j'ai rien. Si je vais dans général, j'ai rien. A priori, c'est le seul endroit où j'ai ça, quoi. C'est juste dans encodage. Pas dans encodage, dans vidéo. Ah oui, non. Alors, effectivement, j'ai un truc diminuer la résolution. Et c'est marqué 606 fois 340. Voilà, donc c'est ça que tu voulais dire. Donc à la limite, ça, je peux peut-être même l'augmenter. Ouais, au-dessus, c'est 682 par 384. Mais à la limite, je pourrais presque le faire. Bon, je ne le ferai pas aujourd'hui parce que sinon, ça va me faire chier. Donc, ok, c'est ça. Bon, bah, si ça marche comme ça, à la limite, je peux rester comme ça, hein. Si l'image est mieux que d'habitude. Voilà, ouais, c'est ça, d'accord, ok. J'avais pas vu ce truc de merde. Ok. Bon, bah, je continue. Parce que là, sinon, j'avance à rien. Puis le stream va pas être très intéressant. Ah oui, alors là, on a des. Donc, les plateformes qui sont en dessous, là, qui ont une forme de truc à la con, là, de. Quand je vais les toucher, donc là je vais tomber par exemple sur celle qui est juste à ma droite, en dessous, elle va m'envoyer à droite. Donc je vais faire que droite-droite et après je ferai que gauche-gauche. Donc là normalement on ne peut pas crever dans ce niveau-là, je pense. Voilà. Sauf quand on saute. Merde. Voilà, du coup il faut sauter au bon moment. Voilà, hop, c'est pas grave. Voilà. Ok. Bon, bah écoute, c'est pas trop mal. Pour l'instant, on se démerde. Donc là, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Bah, de toute façon, je vais pas avoir trop le choix que de péter la plateforme qui est juste à droite. Et ça va m'envoyer, je sais pas où. Ok, oh là! Ça, on passe à travers. Ok. Ah ouais, non, mais c'est bon, il est plombé avec des codes, mais c'est bon, j'ai rentré le code. Donc, il n'y a pas de problème, puisque là, du coup, c'est une version, on va dire, originale. Bah, en fait, si tu veux, c'est chiant DLFR comme pseudo. Pourquoi t'as pris un pseudo aussi pénible à prononcer? Si tu veux, l'aigle d'or, le retour et Bumpy's Arcade Fantasy avec Kukulkan, du coup, j'avais parce que en fait, moi je m'intéresse surtout au CPC++ plus qu'au CPC parce que ma première machine c'est un CPC++, j'ai pas eu de CPC, j'ai eu un CPC++ en premier et après j'ai eu des CPC. Old. Mais du coup, bah forcément, ma machine préférée c'est le CPC+. Et tous les jeux qui ont une petite adaptation de palette, bah du coup je voulais tous les tester. Et quand j'avais récupéré sur CPC Power Bumpy's Arcade Fantasy et l'Aigle d'Or le retour, bah toutes les versions étaient merdiques. Et donc en fait, bah, Kukulkan a corrigé les versions. Alors, je sais pas comment il s'est démerdé, parce que je sais plus ce qu'il y avait comme problème. Mais du coup, il a corrigé les deux trucs et c'est des versions qui sont nickel. Alors le gros avantage, c'est que comme c'est juste protégé par code, bah ça se copie comme à rien. On peut le transférer sur un vrai CPC sur une disquette. Hein. Bon, bah, c'est sûr que là, maintenant, la plupart des personnes ont des lecteurs de cartes micro SD pour mettre leur jeu dedans. Mais moi, je suis encore un lecteur disquette. Et du coup, bah, ces jeux-là, je peux les transférer parce que du coup, il n'y a pas de protection sur la disquette en elle-même. C'est une protection avec une pauvre notice de merde. Donc, c'est plutôt cool. Ah, c'est toi qui les as redumpés, d'accord. Bah, Bumpy's Arcade Fantasy et l'Aigle d'Or 2 sont pas CPC+ à proprement parler, mais ils s'adaptent au CPC+. La palette s'adapte, comme tu peux le voir. Là, on a une palette CPC+, hein, parce que si tu regardes les verts, bah, on a une espèce de vert pistache qu'on n'a pas sur un CPC Old.
Bon, il m'a l'air couillon ce jeu, il y a plein de vie, enfin ce niveau, il y a plein de vie, mais on peut pas les prendre, sinon on tombe dans le vide. Alors là, on appuie en bas, si j'appuie en bas sur cette plateforme, il y a des flèches vers le bas, je vais pouvoir passer en bas. Hop, pareil là. Ah! J'ai appuyé à droite une fois de trop. Ouais, il s'adapte au CPC+. Alors le test CPC+, est complètement merdique. C'est... Ah putain, mon Dieu. Il teste la présence, si je ne dis pas de bêtises, il teste la présence de la RSX U-Game. Donc forcément, si on a une cartouche Berlin Rubber, on a une RSX U-Game. Mais sauf que si on n'a pas de Berlin Rubber, ou si on avait un Parados, par exemple, ou une connerie comme ça, qui du coup ne met pas le RSX U-Game, bah, du coup, il ne reconnaît pas de CPC+, même si c'en est un. Hein, donc, Ouais, très vite vers le bas et à droite dans la foulée. Mais là, j'ai appuyé un coup de trop à droite, donc il me reste 2 vies. Donc j'espère qu'on va finir le monde quand même, parce que je sais plus si après on peut. Voilà. Hop, terminé. On y va. Alors, pourquoi tu vois 2 vies? Alors, j'ai pas intérêt à trop crever. Alors, bon, ben, là, ça m'a pas l'air bien dur. Ouais, souvent, faut un peu réfléchir dans Bumpy's Arcade Fantasy avant de commencer à jouer, mais il y a des endroits où on peut passer sans réfléchir. Donc, là, par exemple, si je me laisse tomber, en fait, les trucs en bas, ils font sauter une case. D'accord? Donc si je prends celui qui est en dessous de moi, c'est bon, je vais sauter d'une case, donc je vais me retrouver juste la plateforme orange-violet, hein. Mais si je prends celui qui est à ma droite, là il va me faire sauter sur les pics. Salut Devil Marcus. Hop, donc là c'est bon. Là il y a des flèches, la plateforme qui est au-dessus de moi, il y a des flèches vers le haut, donc si j'appuie en haut, je monte. Alors, faut que je fasse gaffe, parce que là ça va glisser à droite, donc j'appuie. Merde, j'appuie à gauche aussitôt. Voilà. Hop, là, je peux monter, mais ça me fait remonter tout en haut, putain de merde. Allez, une vie en moins. Oh la vache, quelle daube. Je me fais baiser par des conneries là. En plus, je le savais, je m'en souviens de ce niveau. Je me suis déjà fait baiser par la même connerie. Et quand on appuie en haut, il va en haut. Donc il faut appuyer vite fait sur le côté. Oh putain. Oh putain. Oh putain de merde. Ah oh, enculé de salope, va. Merde, chier. J'hallucine. Ah, comme quoi il est pas si facile que ça ce jeu, hein. Je disais finir le premier monde, mais le premier monde ça va peut-être m'occuper un petit moment. Hein. Suffit d'un niveau à la con, et puis là j'ai perdu des vies bêtement sur d'autres niveaux. Tiens, pour pas me faire baiser, je vais redescendre. Et hop, comme ça j'appuierai au bon moment. Ah, bah là je pouvais aller à droite. Hop, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Là, du coup, j'ai plus de vie. Alors, je sais plus si on refait tous les trucs à chaque fois. Je suis où là? Ah ouais, d'accord. Ça fait quoi les merdes en dessous? C'est les trucs élastiques, ça? C'est on peut pas rebondir dessus, c'est pas ça? Ou ça nous a... Non, ça nous fait rebondir automatiquement. Ah non, on réapparaît. Il fallait pas faire ça, putain! Voilà, je suis mort. Game over, putain, enculé. Oh, fais chier! Allez, BDC, ben dis donc, c'est pas un super score. Hein. On recommence. Hein. On va tous se les refaire jusqu'à ce qu'on y arrive. Donc, du coup, je vais peut-être faire des save states à la fin des niveaux, en fait. À la fin de chaque niveau, parce que sinon, je vais recommencer éternellement, en fait, à chaque fois que je crève. Donc.
Alors attends, qu'est-ce qui se dit? T'as pas eu des difficultés qui t'attendent? Ben ouais, si. Il y avait deux trois trucs rigolos. Il y avait entre autres un petit nuage qui nous promène à un certain moment. Il y a deux trois trucs sympas. Qu'est-ce qu'il y a? Putain, t'es nul, mais je t'emmerde, Paco. Je t'emmerde. C'est dommage, j'aurais dû te faire chier pour que toi tu fasses un stream sur ce jeu. Et puis une fois que tu aurais bien perdu, que tu n'aurais pas réussi à passer les trois premiers niveaux, je me serais amusé à me foutre de ta gueule. Je peux pas me foutre d'Inak sur ce coup-ci parce que Inak, il connaissait pas, il connaissait Bumpy, mais il connaissait pas Bumpy's Arcade Fantasy. Donc je peux pas me moquer de lui. Pas sur ce jeu-là. Ah bah faut lui dire à Devil Marcus qu'en fait le jeu il teste le RSX U-Game. D'ailleurs, faudrait patcher cette saloperie, faire une vraie version CPC+, ou qu'il n'y ait pas de test. Ce serait aussi bien. D'ailleurs, je pense que j'en ferai aussi une cartouche comme l'Aigle d'Or 2. Un de ces quatre, je me ferai une version de cartouche de jeu. En fait, je disais que je faisais des save states, mais j'en ai pas fait une pour l'instant. C'est pas trop grave parce que ces niveaux-là sont faciles. Mais il va falloir que j'y pense. Hop. Ah, il existe sur C64 aussi ce jeu? Ouais, il est très bien ce Bumpy's Arcade Fantasy. De toute façon, Bumpy, c'est bien en général. Les premiers Bumpy étaient bien. Bon, après, c'était. En mode 1, c'était pas forcément super beau. Surtout que finalement, même si le mode 1 il apporte une petite résolution sympa, dans ce jeu-là, ça sert pas à grand-chose, puisque comme on peut le voir, avec du mode 0, on y voit très bien, quoi. Donc il y avait eu des remakes, ouais, de Bumpy qui étaient passés en listing dans CPC Info. Je sais pas si vous connaissiez CPC Info comme magazine. C'était pas le magazine le plus intéressant. Moi j'aimais bien quand j'étais gamin parce que du coup il y avait plein de listings et on avait plein de petits jeux rigolos, des petits trucs marrants. Et du coup il y avait eu un remake. Je sais pas s'il y en avait eu deux, il y en avait eu un au moins qui s'appelait Remake and Pimbu. Alors Pimbu, bien sûr, c'était Bumpy en inversé, c'était du verlan. Et qui était pas trop mal fait, c'était en basique. Alors je sais plus qui avait fait ça, faudrait regarder, mais le logiciel ne développait pas sur cette machine, d'accord. Et il développait sur quoi alors? Sur ST, Amiga, Spectrum peut-être? Devil Marcus qui s'amuse avec ça. Ouais, wow. CPC et Amstar étaient un peu plus intéressants que CPC Info, surtout vers la fin de CPC Info, puisque CPC Info c'était vraiment que du listing, il n'y avait plus que ça à la fin, il n'y avait rien d'autre. Alors que Amstar et CPC, il y avait quand même des articles, des tests de jeux. Ouais, j'ai pas mal de magazines pareil qui traînent. J'en ai quelques-uns d'époque. Alors, quasiment tous que j'avais achetés à l'époque. J'étais abonné à Amstrad 100%. Alors, c'est peut-être moi qui ai causé le fait qu'ils aient disparu. Puisqu'en fait, mon père a payé l'abonnement une fois. Et après, il a toujours reçu le magazine sans renouveler l'abonnement. Donc, c'est plutôt rigolo. Plutôt marrant. Alors, hein, CPC+ version. Ouais, bah ouais, c'est une version CPC+, hein, ça fonctionne parfaitement. Il n'y a que la palette, hein, qui est changée. Hein. Pose-le rien, hein, ils nous ont pas mis des sprite arts, malheureusement. Tiens, je vais faire un snapshot. Ah non, pas open snapshot, save snapshot.
Ok. Tac. Alors, je choisis où je vais le mettre. Voilà, hop, on va l'appeler Bumpy 1. Parce que sinon, on va le refaire à l'infini, ça va être vite pète couille. Voilà. Hop, c'est parti. Oh, ma cam, elle s'était coupée, non? J'ai l'impression que la veilleuse s'était mise en veille, justement. Je sais pas ce qui s'est passé d'ailleurs l'autre coup pendant le stream. Cette espèce de conne de webcam s'est éteinte. Ah non, je sais pas pourquoi. Qu'est-ce qu'il raconte? Oui, bah oui. Bon, allez, version bip. Alors, je suppose que Devil Marcus, il parle des versions de Shani. Tiens, bah, je vais faire un petit aparté pour Shani. Et un bon fuck à Shani, qui est vraiment un gros tocard. Parce que monsieur n'aime pas le CPC+. Et donc fait systématiquement dans tous ses cracks. Tout pour que ça ne fonctionne pas sur CPC+. Donc déjà, il nous enlève les tests CPC+ et ce qui est adapté GeoCPC+ dans ses versions quand il en fait. Et surtout, il s'amuse à faire, puisque le CPC+ a un bug sur la validation au niveau du clavier, c'est-à-dire qu'il y a des tests de touches qui ne fonctionnent pas. Et Shani fait exprès d'utiliser des tests de touches qui ne fonctionnent pas pendant ses intros de merde qu'il nous met avant les jeux. Et du coup, sur CPC+, on ne peut pas y jouer. Donc gros fuck à Shani, hein. T'es vraiment un gros con quand tu t'y mets. Et c'est pas très malin en fait. C'est un peu gamin comme esprit d'empêcher les gens d'utiliser un CPC+ parce que t'aimes pas ça. Donc si tu regardes ma vidéo, bah écoute, voilà. C'est vraiment un esprit débile et un esprit gamin que de faire ça. Faut vraiment. Enfin voilà, faut pour être bien fin, quoi. Donc bref, fin de l'aparté sur Shani. Mais bon, il fallait le dire. Oh, j'ai failli faire une connerie, moi. Voilà pour la petite histoire. Hein. Si vous connaissiez pas la petite histoire de Shani, non content de coder des ruptures verticales complètement merdiques et de pas comprendre comment fonctionne un CRTC, il faut en plus qu'il fasse chier le monde avec des cracks pourris. Bref, hein. Il y a un jour où il va falloir grandir. Hein. Mais je n'ai rien contre lui en dehors de ça. Je trouve ça juste un peu con. Hop là. Bon bah voyons, et ça se passe un peu mieux là le jeu que tout à l'heure. Oui, il n'aime pas les 464 non plus. Il fait que les jeux en 128K. Et en même temps, voilà. Hein. Enfin, tout ça pour mettre en fichier ce qui sert plus à grand chose aujourd'hui. Je vais refaire un petit snapshot vu que du coup j'ai perdu une vie ici, on va éviter d'en perdre une. D'ailleurs, si je pouvais faire tout le jeu sans perdre de vie, ça pourrait être sympa parce que, à mon avis, dans les derniers niveaux, j'ai jamais fini un jeu. Hein. Oh putain, tu vois, bah tiens, enculé, tiens, j'avais bien fait de faire un snapshot. Alors. Oui, bah oui, CRTC 1 only, mais CRTC 1 only, et en plus avec son écran, hein, parce que comme il fait de la rupture verticale qui est complètement pourrie, parce que alors pour la petite histoire, hein, sur un CPC, on a ce qu'on appelle une HBL, qui est un signal, oui, on va dire que c'est un signal, c'est ce qui permet au moniteur, hein, l'objet, le moniteur sur lequel vous avez votre image, qui lui permet de se caler horizontalement. Sauf que pour se caler à 50 Hz, pour que ce soit vraiment à 50 Hz, il faut que tous les 64 microsecondes, il y ait une HBL. Et bien, chez Shani, les HBL, elles sont plus ou moins à 64 microsecondes. C'est-à-dire que de temps en temps, elles sont à 65, et puis après, elles sont à 64. Enfin bref, c'est pour illustrer la faiblesse de son code. C'est-à-dire qu'il n'a pas assez de nopes sur une ligne pour faire tout ce qu'il veut. Donc du coup, il se permet de rallonger. Si bien qu'en fait, si non content d'avoir déjà un CRTC1, il nous faut en plus régler l'écran comme lui pour que ça passe. Bref, que talent!
suis méchant ce soir. C'est parce que j'ai mal à la tête. Ouais, c'est ça. DLFR. Exactement. Alors, ah bah tiens, j'ai perdu tout à l'heure à celui-là, donc pareil, re-snapshot. Bordel. En théorie, j'aurais une vie de moins, du coup, puisque j'ai relancé. Merde. Il est un peu délicat comme jeu au niveau de. Un peu sensible, on va dire. Tonton Guy! Salut, Tonton Guy! J'aime bien quand BDC nous explique des points techniques. Bah ouais, bah là, il n'y a pas grand-chose à dire, par contre, sur Bumpy's Arcade Fantasy. Hein. À part que bon, les sprites sont masqués, c'est en mode 0, et mode C++, voilà. Mais il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. D'ailleurs, sur la plupart des jeux, il n'y a pas grand-chose à dire. Bon, j'aurais peut-être plus à dire sur Super Cauldron, par exemple, puisque je le ferai un de ces quatre. Mais il faut que je me réentraîne. Mais après, sur des jeux, la plupart des jeux, ça reste du soft pur et dur. Il n'y a pas de hard quasiment dans les jeux. C'est très rare qu'il y ait du hard dans un jeu. Donc, bah, du coup, il n'y a pas grand-chose à dire. Un unbox de quoi? J'ai pas trop le temps de lire tout ce que vous dites. Merde, je fais des conneries du coup. Hop, hop, je redescends un peu. Voilà. Tac. Ah, Xiphose, ah, il y aurait beaucoup à dire sur Xiphose. Le jeu en lui-même, il est très bien. Alors, mon Dieu, les animations. Je déteste les graphes de Stéphane Saint-Martin. Et surtout ces animations qui sont franchement, mais nulles de chez nul. Avec des chevaux. Alors, je sais pas si vous avez vu un cheval. Hein, normalement, ça a une patte. Hein, la patte arrière, elle est comme ça. Hein, le coude est dans ce sens-là. Et bah, la patte, elle peut faire ça, quoi. Bah, lui, Stéphane Saint-Martin, il a des pattes qui font, qui se retournent à l'envers. Hein, quand le cheval il court. Des trucs super balèzes. Le perso, c'est pareil, on dirait qu'il est handicapé, il doit avoir une béquille ou un truc. Il s'est cassé la jambe avant de commencer le jeu. Pas de chance, le pauvre garçon. Enfin bref, les animations sont nulles à chier. J'aime pas du tout ses graphes, j'aime pas les couleurs qu'il utilise. J'aime pas les. Alors c'est pareil, c'est un mec, j'ai rien contre lui, mais j'aime pas son style. Et puis j'aime pas ses animations, clairement. Ses animations, par contre, sont mauvaises. Ses graphes, je dirais pas qu'ils sont mauvais, c'est son style, mais. C'est pas mon truc quoi, mais par contre ces animations sont un chier. Par contre techniquement parlant, oui, dans Xiphose, bah oui, il y a de la rupture, il y a du scrolling hard, bon, du page flipping, mais ça c'est un peu normal. Même dans la musique, il y a des choses à dire. C'était un jeu, un des rares jeux commerciaux où on avait des sons hard. Alors on en a dans quelques jeux, on a dans Dark Fusion par exemple, qui a une super musique avec des sons hard. Il y a quelques petits trucs, mais ouais, je me lâche ce soir. T'as vu, Inak? Hop là, faut appuyer en bas pour pas sauter trop haut parce que sinon on crève. Ouais, je suis en forme aujourd'hui. Hein. Je sais pas ce que j'ai, hein. C'est parce que je me faisais chier. Ah merde, on va se voir. Hop, faut pas louper son saut. Voilà, allez, encore un. Donc, je lis pas tout ce que vous marquez. L'avantage, c'est que Inak, il écrit en bleu, donc on voit tout de suite, ça ressort. Ah, avec la capacité, il y a une GX4000 toute neuve. Ah, il a une GX4000 toute neuve. Ouais, bah, il a de la chance. Mais ça veut pas dire qu'elle va pas lui claquer dans les pattes, hein, parce que moi, à l'époque, j'ai eu une GX4000 toute neuve. Hein, elle a duré une semaine. Elle m'a claqué dans les pattes. Et bah je l'ai toujours et en fait c'est la RAM qui est cramée hein, tout simplement bah ça devait être encore ce putain comment d'Alim qui déconnait quoi et du coup ouais l'avait cramé au bout d'une semaine ma pauvre GX 4000 donc j'en avais eu une autre hein, puisque bon Amstrad bradé donc on les trouvait vraiment à pas cher hein. La démo Shadow of the Beast de Verflow, bah c'est une démo, ça ne peut pas être autre chose qu'une démo. Voilà, c'est une démo, quoi, c'est bien, il y a du scrolling différentiel, c'est bien.
mais ça restera une démo parce que de toute façon, faire un jeu. Tout le problème, c'est de déplacer des sprites. Hein. Je vais faire un snapshot. De déplacer des sprites sur de la rupture. Mine de rien, c'est un peu casse-burn quand il y a plusieurs ruptures qui se baladent et un sprite qui doit se balader dessus. Puisque du coup, les offsets changent à chaque rupture. Donc il faut savoir où on en est et réussir à rattraper tout ça. Donc parfois, ça peut être un peu chiant. Alors, donc là on a des trucs verts là à ma droite là, avec une flèche pour dire dans quel sens on peut passer. Donc on ne peut passer que dans ce sens-là. Faut la réviser, les condos doivent être morts dessus. Ouais, mais alors le problème, si tu veux, c'est que moi j'y connais strictement rien d'électronique. Donc déjà j'ai rien pour tester et en plus je n'y connais rien. Je voilà, si tu me dis c'est quoi une résistance, je sais, mais ça s'arrête là. Si tu me dis un condensateur, déjà je vais avoir du mal. Il me semble que c'est des petits machins noirs, mais voilà quoi. J'y connais rien. Donc j'aimerais bien les réparer, mais j'ai X4000 parce que j'en ai 4 et sur les 4, il n'y en a que 2 qui fonctionnent. Donc c'est un peu con. J'aimerais bien les réparer. Bon, cela dit, je les branche jamais puisque je suis plutôt sur le CPC+. Bref, bon, on va essayer ce niveau quand même. Donc là, je peux passer. Je saute, je passe. Et oui, normalement, les trucs bleus, là, je dois pouvoir les casser avec certaines options ou des conneries comme ça, mais... Voilà. Donc là, je vais pas avoir trop le choix que de casser cette merde. Ah, là, je peux peut-être passer. Voilà. Hop. C'est vachement technique. Faut réfléchir. Hein. Bon, et hey, tu passes le truc là. Le bit. Voilà. Hop, niveau fini. Ouais, bon, moi j'aimerais bien réparer. C'est pareil, hein, j'ai des CPC+ qui sont cramés. Hein. Y en a un qui doit être bien, enfin, qui est bien cramé. Mais... c'est irréparable. Ça c'est sûr, puisque c'est la ZIC qui a pris un coup, mais par contre j'en ai d'autres où c'est pareil, où je dois avoir j'en ai un qui est plus un 6028+, c'est un 664+, puisqu'il a plus que 64 kg. Bref. Bon, ça devient chaud, hein. Maintenant je vais faire peut-être des snapshots là à chaque coup. Parce que ça devient un petit peu chaud. Alors là, je peux aller. Le plus intelligent, ce serait de. Ah ouais, mais je sais pas où est la sortie. Ah si, le plus intelligent, c'est de passer par la droite, où il y a la plateforme avec les flèches bleues en bas. Puisqu'après, je pourrais passer à gauche et remonter. Sinon, dans l'autre sens, je vais pas pouvoir le faire. On va essayer. Voilà, hop, tac, on passe à travers. Là, je vais essayer ça. J'appuie à gauche. Hop, je saute. Ah, bah, c'était bon. Hop, nickel. Nickel, nickel. Hop, je vais refaire un petit snapshot. Bon, bah, il ne reste plus qu'un niveau pour ce monde. Alors, au final, est-ce que vous voulez voir un autre monde? Ou est-ce que vous préférez que j'arrête là, que je fasse vite fait les mondes parallèles? C'est vous qui me dites. Hein. Que là du coup ce niveau il va être vite fini je pense. Ah, il y a un ennemi, regardez, il y a un petit ennemi là, un méchant, ce qu'il n'y avait pas dans le premier Bumpy, mais dans celui-ci il y a des méchants qui sont très méchants. Et oh, c'est pas ce que je voulais faire, hein, tête de l'heure. On attend qu'il revienne avant de sauter. Ouais, bah là je fais des snapshots. Après, ouais, vous me dites si vous voulez. Merde. Voilà. Vous aimez bien Bumpy. Donc voilà, le premier monde est terminé. Congratulations, you success.
Succeed, you succeed in attraction one. Password is access. Ça, c'était vachement compliqué comme mot de passe. On continue. Ouais, bah ouais, il y a les machines qui claquent. Ce que je dis, ouais, j'aimerais bien réparer. Il me charge le truc ou quoi là? Qu'est-ce qui branle? Voilà, nouveau monde. Avec toutes les vies. Donc, tiens, je vais faire un petit snapshot au début de ce monde-là. Je vais l'appeler monde 2. Hop, monde 2. Tac. Et ouais, j'aimerais bien réparer. Alors c'est pareil, j'ai, je sais plus combien que j'ai de CPCOL, j'en ai oh, plus une bonne dizaine, je dois en avoir 15 ou 16, une connerie comme ça. Et faudrait que je les vérifie parce qu'ils n'ont pas été branchés depuis des siècles. Alors ils sont, ils ont comment ça s'appelle, un buffet spécial où ils sont tous dedans, donc ils sont à l'abri de la lumière et de la poussière normalement. Donc bon, je pense pas qu'ils risquent grand-chose là-dessus, mais bon après ça, voilà, les composants vieillissent et puis je pense que de pas les faire fonctionner, ça doit pas les aider non plus. Faudrait quand même les brancher de temps en temps. And the machine self. D'accord. J'ai pas compris. Hein. Tu peux faire des jeux de mots en anglais, Moonbeam, mais moi je comprends pas. Moi, l'anglais, ça fait deux. Hein. Faut que je réfléchisse. Donc voilà, on a encore un paquet de niveaux là. 12, 13, 14, 15. Bah, c'est pareil que dans l'autre. On a 15 niveaux a priori. Ah ouais. Ouais, le CPCL n'a peut-être pas. Ouais, j'en sais rien. J'en sais rien. Bon, c'est pareil, j'ai des Amiga. J'ai un 664 qui est en panne depuis. Alors, ah! Alors là, il y a des nuits. Oh la vache, putain, il rebondit vite l'autre. Il est malade ou quoi? Ah merde! Bon, bah mort. Je recharge le Snapchat. M'en ai rien. C'est qui l'anonyme en fait? J'ai pas suivi si l'anonyme nous a dit qui il est. Quand une pile a coulé, hein, bonne question. Il n'y a pas trop moyen de. Alors par contre, du coup, c'est la merde. Là, je peux passer dans ce sens-là. Comment est-ce que je vais faire? Il faudra que je finisse par le milieu, en fait. Comment ça marche les trucs de. Les trucs de dôme là. Merde. Ah, ça pète quand on passe dessus. Merde, putain! Oh la vache! Oh l'enculé! Putain de merde! Ah ouais, ben là, je me suis bien fait niquer. J'ai fait n'importe quoi. Donc là, normalement, je peux passer en haut, ok? Maintenant, le pet couille là, il va me faire chier plus qu'autre chose. Comment je vais faire? Je vais faire ça. Voilà. Hop! Oh putain, quel abruti! Allez, on recommence. Oh là là, j'avais fini, quel con. Oh, ce con. Bon, je recommence. Alors, du coup, faut pas, oui. Et c'est pas ce que je voulais faire tout à l'heure. Je voulais passer à la plateforme d'à côté et puis j'ai appuyé à gauche trop tard. Du coup, je me suis fait niquer. Alors qu'en fait, on peut ne pas délivrer. Et il faut surtout passer là par en bas, comme je viens de le faire, et ne pas passer par le côté parce que sinon, on ne peut plus sortir. Hop, voilà. Il faudra que je relise l'historique du chat après parce que du coup j'ai pas trop suivi. Alors monde 2, hop, 2 et 1, hop là. Tac. Ce
Ce qui est bien, c'est que Devil Marcus, il comprend pas ce que je dis, ça évite qu'il entende toutes les saloperies que je peux sortir. Et donc, c'est qui l'anonyme, bordel de merde? Que je sache qui est là. Alors là, il y a des espèces de trucs à ressort qui, à mon avis, sont à ressort. Voilà. Alors là, faut bien. Ah putain! Ah, c'est chaud! Parce que là, faut bien gérer, faut appuyer en bas quand on saute, faut appuyer en bas pour se faire retomber. Donc là, hop, en bas. Un peu chaud, hein. Hop là. Ouh! Ouais, ça sent le Mac. Ah, Burning Rubber est encore sous blister. La classe, mais faut le garder sous blister, hein, faut pas le sortir. Hein. Dans 10 ans, il pourra le revendre. Enfin, dans 10 ans ou plus, il pourra le revendre. Voilà, à sa place, j'attendrai plus. Il pourra le revendre à un musée hypothétique de l'informatique. Hein. Quand il sera tout vieux, que plus personne n'aura un GX4000 qu'elles seront toutes mortes. Bon, bref, comment je vais faire? Là, je peux aller. Genre là. Passer en haut. Passer en bas. Le truc là, je dois pouvoir le péter, cette merde. Là, appuyer en bas, passer à gauche, en bas, gauche. Ah oui, alors par contre c'est chaud. On va attendre qu'il passe l'autre crétin. Voilà, ça c'est fait. Ça c'est fait. Vous me dites quand vous en avez marre, hein, parce que quand vous en avez marre, je vous montrerai vite fait les mondes parallèles. Hein. Parce que là, il est 23h30, donc je pense pas aller beaucoup plus loin que minuit, mais bon. Après ça dépend de vous. Alors, donc là, putain, comment je vais faire? Là, ça devient vraiment chaud hein, pour le coup. Ah, d'accord. Les espèces de bordel là, les trucs verticaux, mais qui font plusieurs traits comme ça doit nous faire rebondir. Donc il faut que je rebondisse sur celui qui est juste en bas à droite de moi. Donc je vais me laisser tomber. Je vais aller vers la gauche et ça va m'envoyer tout à droite. Je pense. Et après, je vais retomber à droite, là, vraiment tout à droite. Je ressaute, je retire sur la plateforme verte et j'appuie à droite. Voilà, hop, j'appuie à droite. Et fallait pas. Je recharge. Ça devient chaud là. Hein. Ça devient chaud. Et ce serait pas mal hein, de faire des articles sur CPC, sur Amstrad EU, j'allais dire sur CPC Power, mais sur Amstrad EU, ce serait sympa de faire des articles électroniques. Mais ne serait-ce que de nous apprendre ce que c'est qu'un condo, une résistance, machin, et comment est-ce qu'on la teste. Ça, ce serait vachement bien pour des mecs comme moi qui connaissent que dalle. Genre, voilà, une petite photo de chaque bordel, et nous dire comment on le teste avec un machin, là, avec un bordel. Déjà, bah, déjà comment ça s'appelle le truc, qu'est-ce qu'il faut avoir. Comment on le teste et puis après donner éventuellement un plan de tous les trucs sur le CPC pour qu'on puisse savoir bah, comment les bah, comment on fait quoi pour les changer quoi pour qu'on puisse se dépanner tout seul sans avoir à demander à tout le monde quoi. Oh. Ça, ce serait vachement bien. Ah, j'ai gagné une vie. Donc là, si je saute sur le truc, je vais me retrouver à gauche. Il faut que j'appuie peut-être en bas. Putain, mais non, c'est chaud quoi. Bon, à la limite, je m'en fous, j'ai gagné une vie, j'ai pas besoin de recharger. Ah ouais, super idée ça, mais j'ai que des bonnes idées. Demandez-moi quand vous voulez des bonnes idées, hein, parce que honnêtement, honnêtement, je n'ai que des bonnes idées. Et oui.
Alors, par contre, je suis emmerdé avec mon truc là. Alors, est-ce que c'est sur le bouton Fire qu'il faut que j'appuie? Ah oui, c'est sur le bouton Fire. Ok. Ok. Zut. Super, j'ai compris. Donc là, je gagne une vie. Hein, le truc bleu, c'est une vie. Normalement. J'appuie là et. Putain! Et c'est super chaud, hein! Faut appuyer pile-poil le bon moment, quoi! Oh putain, elle se casse, j'hallucine. Ah oui, on peut pas rester dessus, il faut sauter si on veut qu'elle se casse pas. C'est ça. Ah là, j'appuie trop tôt, putain de merde. Oh, il va me faire chier ce niveau. Voilà. La vache, il est raide, hein? Je me souvenais pas de ce niveau. Eh ben, c'est bizarre, hein? Voilà, hop, trop tôt. Faut appuyer pile poil au bon moment. Et c'est vraiment super chaud. Sinon, on crève. Bon, et vous me suivez toujours, les jeunes, là? Parce que j'ai l'impression de parler dans le vide, là. Y a quelqu'un? Je me demanderai à toi, Yashani, pourquoi? J'ai un 464 à restaurer, mais bon, ça fonctionne toujours nickel. Pas de composant qui craint. Amstrad, c'est trop fiable. Bah, tant mieux. J'ai eu un C64, c'est une vraie catastrophe. Hein. Le truc, j'étais mort de chez mort. Hein. Je l'avais amené à un pote qui, lui, s'y connaissait en électronique et qui avait testé le truc. Il avait désespéré en voyant que tout était mort dedans. Donc, je lui ai laissé, je sais pas ce qu'il en a fait. Voilà. Putain! Et ce niveau, c'est une horreur, hein. Je vais passer à un autre niveau si ça continue, parce que là. Oh putain! Et là, j'avais réussi, là, je fais la connerie de sauter au mauvais endroit, bordel de merde! Putain de con! Voilà, hop, c'est mort. Putain! Ok, salut David Marcus. Bonne nuit. Oh putain, ça a pas marché, j'hallucine. Comment ça se fait que ça a pas marché?